Et donc on a Clown Fiesta en rouge et Elzéphine en bleu. On a pris l'initiative sur ce sacrière, peut-être. Ouh, alors ça c'est catastrophique. On voulait Kawat Coop Transpo. Aïe 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 aïe. Alors ça c'est catastrophique. Hein. C'est déjà un coup du sort, malheureusement. Ça devient. Oh là là, quoi? Oh aïe 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 aïe, il peut même pas châtier. Oh non! Oh c'est incroyable. Les probas sont de 1 chance sur 10 000 quand même. Aïe 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 aïe, ça commence déjà très très fort cette petite finale. Et Perispo qui sort des couteaux à champignons. Ah, Perispo qui s'est self œil de taupe. Il joue en 14-4 ce cra. Et du coup ce pauvre sacrieur. Allez, on invoque un arbre pour donner un appui à ce sacrieur. La ronce aggro qui crit, qui fait énormément de dégâts. Très très peu de résistance terre, encore une fois, sur Renflex. Il nous a habitué à jouer avec très peu de résistance terre. Et Baba n'a pas manqué de le remarquer. Ouh, la roulette dommage. La roulette dommage plus la roulette force pour tout le monde. Alors là, il y a moyen que Baba explose Renflex. Il y a moyen également que Chrissy fasse des dingueries. Maîtrise des dagues. Et on va taper avec des daguedins qui critent, qui font énormément de dégâts. Oh, ce sacrière qui est déjà midlife. Allez, Tifa, il faut courir prendre flex. On se met en position. Allez, avec quoi joue cette ennemie? Il a beaucoup de dommages. Il a les 60 dégâts de la roulette, plus les 400 de force. On peut encore aller au corps à corps. Est-ce qu'il joue? Il joue avec une baguette, sûrement une terelle. Malheureusement, il ne profitera pas de la roulette force. Il va pas taper, de toute façon. Oh là là, par contre. Oh, il y a la cupidité qui crit. Mais attendez, mais Baba Orom se retrouve avec plus 600 de force et 60 de dommages. Mais il va tuer cet Ossa. Baba The Tank, du coup, qui profite de l'arbre pour se replacer. Ce match est incroyable, alors qu'on vient de partir en game. La punition. Punition tour 2. Punition tour 2 avec tous les dégâts qu'il a pris. La douleur partagée sur Baba Orom. Allez, on va rush. On s'appuie sur cette flèche de dispersion pour s'approcher. Le tir éloigné. Et ouais, du coup, Perispo qui s'est pris son propre œil de taupe. On nous dit dans le chat que c'est fini, mais c'est pas du tout fini. Il y a moyen que cette Ossa tombe très très vite. Cette Ossa ne va pas jouer de la partie en fait. Attendez, mais cette Ossa va mourir. Avec... Regardez comme il est buff, regardez ça. Allez, Baba, fais-nous rêver. Il y a 8% de terre. Oh, la ronce aggro à 1200 presque. Et il reste encore 8 PA. On va taper avec une city. Et cette Ossa va tomber. Aïe, aïe, aïe. Cette Ossa qui n'a pas joué. Il est mort T2 et T1, il était corrupt. La roulette 500 Intel pour Elzéphine. On a quand même ce sacrieur qui est très mal en point. On a une zone griffe joueuse. Est-ce qu'on va tenter les récop? Et du coup, ouais, on est bien dans un autre classe pour cet éca flip. On va y aller à la griffe joueuse. Oh, les dégâts de la griffe joueuse! Et oui, lui, il a encore la roulette force de tout à l'heure, plus la cupidité! Ah, il tente le recop, malheureusement, ça passe pas. Aïe, aïe, aïe! Il n'y en a aucun qui passe. Je pense qu'il aurait dû continuer avec des. Avec une griffe joueuse encore. Mais tenter un récop à la fin. Mais bon, après, si les deux recopes passaient, on n'aurait clairement pas dit la même chose. T-Fi qui va s'accélérer. Même si ce n'est pas T-Fi, bon, vous avez compris, on va l'appeler T-Fi. Il essaye de debuff Chrissy, malheureusement ça ne passe pas. Et on n'a plus les PA pour une nouvelle tentative. On va enfin pouvoir sortir les châtiments. Pour ce sacrieur, on est tour 3. Et le chauffeur fou qui crit.
Allez, on va se régénérer un peu avec des folies sur, sacri... sur ce surfer fou, pardon. Il ne donnera pas l'épée à ce tour-là. Périspo. Périspo. Il a un tir puissant, il a une cupie, il a encore la roulette Intel. Il peut y aller à la flèche enflammée. Alors il va sortir des glacés. Non, il va plutôt y aller à l'explo. Oh, mais des bons dégâts quand même. Quel match incroyable. Qui annonce un BO de toute beauté. On va débuff le Kra. Il avait beaucoup de boost sur lui. Oh, encore une très très belle ronce aggro. Et ouais, Périspo qui n'a que 10% de terre lui aussi. On a vraiment... du côté d'Elzéphine, on sait que Baba adore jouer son Sadie full terre. Et on a vraiment pas du tout optimisé les résistances terre. Et on se prend des ronces aggro incroyables. Et encore une roulette, dommage. Mais attendez, mais... La roulette reconce. Oh, la roulette reconce. Tandis que ce sacrieur est mal en point. Il va prendre des griffes joueuses. On peut en mettre deux. Oh, on va plutôt focus le sacrieur. Attends, attends. Oh là là, ça passe. Attends. Il tombe on remit, tombe avec cette roulette, dommage. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et ouais, la Fanto CC qui passe un peu trop tard, malheureusement. Sans tous ces buffs, Chrissy n'aurait peut-être pas fini Baba Aurum. Et salut à toi, Bamartega. Et là, Terrell qui est sorti par cette Enutroph. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. On est tour 4, il y a déjà deux morts. Mais vraiment, ce pauvre Ronflex, ça fait plusieurs fois qu'il meurt très très vite. C'était le cas aussi en demi-finale. Oh là là! La Pretty est en cours ouverte, mais je suis un taré. Bon, oh, de toute façon, jusqu'à présent, on sait pas trop qui va gagner. Hein. Mais c'est vrai, my bad, j'ai oublié de cut la Pretty, je suis vraiment désolé. Ça fait un petit moment qu'on ne live plus vu que c'est la fin du tournoi. Les habitudes qui se sont un petit peu perdues. Allez, Périspo qui prend un petit peu de distance. Il va essayer de se régénérer avec des absos sur ce sacrieur qui est de plus en plus mal en point. Ah, malheureusement, la flèche d'Imo qui passe pas. Ok, là ça va. Ok. Alors, Chrissy, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a été debuff. Il va roulette. Roulette dommage uniquement pour Clown Fiesta. Roulette chance pour Elzéphine. Est-ce qu'on va prendre la zone griffe joueuse? Oh là là, mais même sans buff, c'est TK qui met des dégâts monstrueux. Il a rien sur lui, hein. Il a rien du tout. Alors, il a rien du tout pour des griffes joueuses, évidemment. Tifaï, qui est un petit peu bloqué, qui va très certainement libérer son sacri pour passer. On a l'air de se diriger vers un focus Kra du côté de Clown Fiesta. On va taper à la tourelle. Il y a la roulette, dommage, hein. Il peut faire énormément de... Oh là 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 là, des dégâts de cette Enutroph à la tourelle. Sur ce pauvre Kra qui n'a que 10% de résistance R. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Baba The Tank qui arrive, qui a quasiment plus de points de vie. Mais qui peut encore taper avec son marteau de la gamine Zot. Il devrait pas le finir. Oh, mais pas loin, hein. Vraiment pas loin. C'est Sacrieur qui va tomber maintenant. Ah, malheureusement, le chasseur fou qui donne les PA trop tard. Il va tomber. Ok, on ne veut pas finir ce sacrière. On va laisser la tâche à Chrissy, j'ai l'impression. On va quand même se régénérer avec un œil de taupe. C'est peut-être un petit peu dommage. Oh non, la roulette passe tout!
tour. La roulette passe tour pour Elzéphine. Vite, il faut tuer ce sacrieur. Vite, vite, vite. Allez, allez. On se place pour des bluffs. Le tout ou rien. Et on chance des cas Périspo. J'espère vraiment que le tout ou rien va suffire. Ça devrait être le cas. On rappelle que le tout ou rien est un poison, hein, donc ça passe à travers le sacrifice. Si DeFi met un sac, ça ne servira à rien. Après, je pense qu'on a plus la... Ok, on a tenté la fanto sur la chance. Oui, c'est ce que... Alors, je me disais la boîte de Pandore, mais je pense qu'il l'a déjà claqué il y a pas longtemps. C'est vrai que j'aurais Pandore aussi, mais peut-être qu'il a pas le CD. Peut-être qu'il a pas le CD. Ou par contre, Chrissy qui prend énormément de dégâts de son propre tout ou rien. Tifai, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a rien. Il est le retour de la courue, exactement. Le retour de la courue. Ah, je pense pas qu'on va le finir malgré ça. Ah, quoique, il y a le tout rien. Il y a le tout rien, salut Vexen. Oh, le sécac! Oh, le sécac! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les recopes, un recop. On n'est plus trop buff, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Qui c'est qui va essayer de tacler Tifai? Est-ce que Tifai détacle? Je pense que Tifai détacle. Il est à la cutane. Je pense qu'il va. À moins d'un de ses cacs. Ok, non. Ça passe. Oh là là, mais quel match! Mais quel match incroyable! Ah, vraiment! Quel match incroyable! Mais si tout le BO est comme ça, mais. Mais je ne sais pas si mon cœur va tenir.